Bonjour, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on reçoit Gabriel. Elle a vu le débriefing de Mathilde sur la chaîne YouTube. Absolument. Et ça t'a donné envie de faire le tien, c'est ça? Exactement, à mon tour. J'ai très curieuse de voilà, d'avoir cette expérience-là, d'avoir cet échange et d'avoir ce retour sur les mécanismes de la motivation et du stress, etc. Tout ce qu'on a pu voir dans la vidéo de Mathilde, justement. Et donc, bah, j'ai hâte. Super, Voilà. très très bien. Alors, je sais bien que je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais ça fait partie du protocole. Tu as répondu à un questionnaire d'auto-perception. Donc, c'est comme ça que tu t'es perçu au moment où tu as répondu à un questionnaire, avec évidemment tout ce que ça veut dire en termes de dans quel état d'esprit tu es au moment où tu réponds. C'est toujours pareil, l'autoperception, c'est ce que je suis, mais c'est également ce que je voudrais être, c'est C'est une ça. perception de moi, enfin voilà. Donc le but de l'entretien maintenant, ça va être de partir de ce résultat, et puis d'aller creuser, d'aller voir si tu es vraiment comme ça, ou si il peut y avoir une différence dans la perception que tu as eue. Et puis à l'issue de l'entretien, je te remettrai un bilan d'une vingtaine de pages, qui sera le OK. résultat de ce que tu auras découvert dans l'échange qu'on va avoir maintenant. Super. Ça te va? OK, c'est parti. Super. Alors vraiment, je pose une règle de confidentialité, mais alors là, sur la chaîne YouTube, la confidentialité, je peux pas te l'offrir. Va aller. Ça va aller? Ça va aller. Bon, super. Est-ce que tu as une question, toi d'ailleurs? Est-ce que tu as des choses que tu voudrais savoir avant qu'on démarre? Là, tout de suite, non, il n'y a rien D'accord. qui me vient, mais non, Bon, ben, t'inquiète j'ai pas, je vais te hâte. poser plein de questions. Oh, j'en aurai plein après, je suis sûre. D'accord. Voilà. Je te Ok. laisse découvrir ton profil, Ok. sachant que voilà, je montre à tout le monde ce que tu es en train de découvrir. Ok. Donc, la couleur principale que je vois, c'est vert, Ouais, à 100%. c'est ça. Imagine réfléchir à ses centres d'intérêt, aime avoir de l'espace et du temps. Ouais. Ensuite, à 99%, je suis bleu et à 98%, je suis jaune. Ce qui déjà me pose énormément de questions sur les pourcentages qu'on peut avoir. D'accord. Le reste des couleurs, donc 76% violet, 68% orange et 42% rouge. D'accord. Ok, donc première action de ce que je lis, imagine réfléchir à ses centres d'intérêt, il n'y a rien de plus vrai. Et aime avoir de l'espace et du temps, voilà, c'est clairement quelque chose qui me correspond complètement. D'accord. Je ne sais pas exactement quelles sont les caractéristiques du bleu et du jaune qui sont deux autres couleurs très importantes dans mon profil, Oui. mais dès à présent j'ai une question, est-ce que toutes les personnes qui passent ce test ont trois couleurs quasiment à 100%? Ok, qu'est-ce que ça veut Non. dire? Est-ce qu'on est plusieurs dans ma tête? Alors, les pourcentages indiquent ta capacité à être plus ou moins longtemps dans une couleur. En fait, on D'accord. a vraiment, nous, les six couleurs, Ouais. donc toi, pareil, sauf que dans ton cas, de la façon dont tu as répondu, eh ben, tu as trois couleurs qui sont extrêmement fortes. Ça veut dire qu'a priori, tu peux être aussi bien dans une de ces trois couleurs sans aucun problème et pendant un certain temps. D'accord. Donc tu peux vraiment occuper et utiliser les ressources de ces couleurs vraiment sans fatiguer, on va dire. Maintenant, OK. ce qu'on va essayer de voir, c'est où est ta couleur dominante, où est ta couleur secondaire. Enfin, voilà, ça Bien c'est la sûr, OK. question. Alors, si tu tournes la page, Ouais. tu vas avoir le même diagramme, mais cette fois-ci, il y a des qualités qui sont associées. Ah, d'accord. Et donc là, tu peux voir ce que chaque couleur OK. signifie. Donc, le vert réfléchi, tranquille, distancié. Ouais. Ce qui peut être vrai, ce qui peut ne pas être vrai. Le bleu, c'est logique, compétent et structuré. Bah, pareil, il y a du vrai et du moins vrai. Et le jaune, c'est spontané, ludique et différent. Bah, pareil, en fait. Donc, je me reconnais dans les trois sur certains points et sur d'autres un peu moins. Et en même temps, sur la couleur que je suis moins, qui est le rouge, actif, énergique, caméléon, c'est. Ok. Bah, j'ai super aussi. J'ai vraiment envie qu'on parle aussi de la couleur que je ne suis pas. D'accord. Pour. Enfin, après, Ah pour ouais, mais si tu comprendre veux, bien aussi. sûr, bien sûr, Donc, bien sûr. violet, fiable, de confiance, évaluateur, aimable, chaleureux, dévoué. Ok, super. Je pensais pas qu'il y aurait autant de couleurs, en fait. Enfin, autant de Oui. pourcentages assez Alors, importants. ce que ça veut dire aussi, si tu veux une couleur, elle indique deux choses. Soit elle indique que tu es dans cette couleur, Ouais. couleur dominante ou couleur secondaire, on va voir. Soit elle veut dire aussi que tu as développé une couleur Ouais. pour t'adapter à ton environnement. Ah.
C'est-à-dire que, en fait, le questionnaire, on a un mal fou quand quelqu'un répond au questionnaire, on a un mal fou à dire ça c'est lié à la couleur, parce que tu es comme ça, ou ça c'est lié à quelque chose que tu as développé parce que ton environnement te le demandait. D'accord, une Donc, adaptation, quoi. c'est ce qu'on va essayer de mesurer. Ok. Alors, parmi toutes ces couleurs, est-ce qu'il y en a une qui attire quand même plus ton regard que les autres? Je pense que le vert traduit pas mal de vérité sur moi, et en même temps le jaune aussi. Je pense le vert, imagine, réfléchir à ses centres d'intérêt. Je suis quelqu'un qui écrit de mon côté, enfin, je passe beaucoup de temps justement à réfléchir là-dessus, à m'imaginer des histoires, parce que c'est ce que je fais. Et oui, il n'y a pas plus vrai. Et aime avoir de l'espace et du temps, j'ai déménagé dans un endroit plus reculé pour avoir justement, pour avoir un autre rythme de vie. Donc c'est quelque chose que j'ai recherché. Je ne sais pas si ça a toujours été le cas, mais en tout cas, en ce moment, c'est extrêmement vrai. D'accord. Alors, je vais te renvoyer ce que je perçois déjà pour commencer, Ok. même si on n'a pas encore parlé de couleur. Ce qui est très intéressant, c'est que quand tu prends le document, tu as plein de trucs à dire sur le document. Tu regardes les chiffres, tu regardes les significations, tu as presque nommé, mais tu as pas presque, tu as nommé chacune des qualités, chacun des pourcentages. Ouais. D'accord? Le type vert, quand il prend ce document entre les mains, on est d'abord face à un grand silence. Tu vois ce que je Oui, veux bon, dire? Alors, ça d'accord. ne veut pas dire que tu n'es pas de type Non, vert, non, bien mais sûr, c'est que ouais. je partage avec toi que la première chose que tu as faite, c'était été tout de suite dans l'info, Ok. la prise d'info. Tu vois? Alors qu'un type vert, il est vraiment dans une prise d'info extrêmement intérieure, D'accord. presque silencieuse. Tu vois? C'est comme s'il laissait résonner à l'intérieur de lui le truc. J'entends. Alors, ça ne veut pas dire que je te partage avec Non, toi mais c'est hyper ce intéressant. que je veux Parce que autant je me reconnais dans ce qui est écrit, réfléchis ses centres d'intérêt, autant il y a très peu de silence à propos de moi. Genre, j'articule beaucoup, je parle énormément. Donc, Oui, mais c'est ça. ce côté-là du type vert va pas forcément me correspondre. C'est ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la Non, conscience dans le bien vert. sûr, je Mais en tout comprends. cas, tu vois, Ce ce qui est intéressant, côté-là, c'est que ce n'est pas c'est. ce que tu montres en premier. Pour la parole, ça doit pas être. Non, mais le type vert parle, je suis le type vert. Le Oui, type bien vert sûr. parle. Mais disons que ce n'est pas ce qu'on voit en premier. Il y a souvent d'abord une première phase de réflexion, de silence, tu D'accord. vois, ou de silence verbal, ou de silence intérieur, pour, tu vois, laisser comme si on laissait On laisse macérer, on ingère. l'information, D'accord. tu vois, se infuser, quoi. Ok. Voilà. Alors, ben on démarre par la couleur que tu veux. On peut commencer par le bleu qui était juste en dessous, 99%. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse quand tu regardes le bleu? Logique, compétent et structuré. Oui. Qu'est-ce qui m'intéresse? Ça a l'air d'être. Je me représente quelqu'un qui serait vraiment de couleur bleue comme quelqu'un de. Comment dire? Qui serait efficace, qui serait. Parce que quand on est, j'imagine, compétent et structuré, on termine les tâches, etc. Oui. Et quelqu'un qui peut en même temps être un peu perfectionniste et peut-être un peu trop rigide. Rigide, pas forcément, perfectionniste, sûrement. D'accord. Donc, on va commencer par cette couleur. Le type bleu, donc sa perception du monde, c'est la logique. Ok. C'est pour ça que, par exemple, la façon dont tu as appréhendé le document ressemblait à ça. C'est vrai. Oui, parce que, en fait, le type bleu a besoin de prendre toute l'information. Ah, d'accord. Il a besoin de maîtriser l'information. Donc, tu vois, la façon dont tu t'y es pris quand tu as pris le document, c'est de voir toute l'information qu'il y avait. C'est pour ça que je te dis, c'est étonnant, tu as lu tout, les informations clés, les pourcentages, tu vois, et donc, il y a une prise d'information parce que le type bleu a besoin de prendre tous les faits. Ouais. Et ensuite, tu vas chercher la logique. D'accord. Tu vois, par exemple, tu m'as posé la question, mais est-ce que tout le monde a trois couleurs pratiquement à 100%? Tu vois, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est courant? C'est Est-ce que tu vois, il y vrai. a une sorte de recherche d'information? Alors, je sais pas si ça te parle ce que je te dis là. Oui, je vais chercher la logique, le sens, le sens des choses, en fait. Et puis, oui, je vais pas me laisser attirer forcément par un petit truc que ce soit. J'ai envie de structure, j'ai envie de choses qui sont, voilà, avec des arguments, avec. D'accord. C'est une partie de moi qui me correspond, ouais, D'accord. assez. Par exemple, quand tu as un choix à faire, un choix ou une décision à prendre, ou comment dire, un achat, je ne dirais pas un achat d'une maison, mais un achat un peu important,
à tes yeux, est-ce que tu es quelqu'un qui prend beaucoup d'informations avant de décider ou avant d'acheter, ou est-ce que non, ça peut être. Enfin, comment tu t'y prends? Voilà. Non, je pense que je vais prendre beaucoup d'informations. Alors peut-être que à la fin, ça va être sur une impulsion, quelque chose comme ça, mais je vais rarement faire quelque chose sans que ce soit réfléchi en amont. D'accord. T'as un exemple qui illustre ça? En termes d'achat, je vais acheter quelque chose d'important. Je vais me renseigner sur plein de sites, je vais comparer, je vais demander à des gens, je vais être sûr, je vais me renseigner s'il n'y a pas quelqu'un que je connais qui aurait plus d'informations. Je vais essayer d'avoir tous les renseignements pour pas me tromper. En fait, ça vient surtout d'une peur de me tromper, en C'est ça, fait. ouais. Mais Et alors, te tromper, ça aurait quoi comme conséquence? me trompe, c'est une attaque personnelle. C'est moi que je remets en question. Si je me trompe, D'accord. y a un truc. C'est viscéral. J'aime pas me tromper. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'à la limite, tu te sentirais plus compétente ou plus. Qu'est-ce que ça vient. Que je ne me sentirais plus compétente. Ouais. Oui, il y a une vraie remise en cause. J'ai pas de D'accord. problème à dire que je ne sais pas, Ouais. mais j'ai un vrai problème à me tromper. C'est-à-dire que D'accord. j'ai pas de problème à aller chercher de l'information et à dire aux gens je ne sais pas, donc aidez-moi ou donnez-moi l'information. Par contre, à me tromper, c'est désagréable. C'est quelque chose qui. D'accord. Ça colle un peu. Ok. C'est pas. Donc J'aime on va pas. dire que tu es assez quand même. Enfin, l'exemple que tu donnes là est très très dans ce mode de fonctionnement. Ok. Ok. Donc ça, c'est la perception. La motivation du type bleu, c'est la structuration. Les types bleus ont besoin de structurer tout, pratiquement, et en particulier le temps. C'est-à-dire qu'un type bleu, c'est quand il se lève le matin, il a déjà dans sa tête tout le planning de la journée, il sait ce qu'il a à faire à 11h, à midi, après il sait qu'il a rendez-vous à 13h30 et il sait comment il va s'y prendre pour y aller. Il a même, s'il ne connaît pas bien les lieux, été chercher sur Internet le passage, enfin le chemin pour y aller, et voir un plan B si jamais il y avait un problème. Ça te parle? Ouais, petite remise en cause là tout de suite, mais Ben oui, non, mais absolument. Non, c'est une non, mais oui. motivation, c'est un truc qui pousse, tu vois. Ouais, alors je sais pas si ça me motive. Après, le terme motivation est peut-être pas juste, c'est pas ce qui me motive d'aller chercher les itinéraires en premier lieu, mais c'est clairement quelque chose que je fais, oui. Je sais pas exactement, quand j'ai pas de rendez-vous, quoi que ce soit. Je ne sais pas exactement à quelle heure je vais faire les choses, mais je suis une aficionado des to-do list et les choses à rayer. Ouais. Et rayer un élément, ça c'est une motivation, par exemple. Ça c'est très. Complètement. Finir quelque chose, c'est super agréable. D'accord. C'est quelque C'est chose que. ça. C'est Ouais, ça. donc. Oui. Et Et structuration, quand on structure. parle de structuration et du temps, c'est-à-dire, est-ce que par exemple, tu sais ce que tu fais ce soir à 18h? Oui. Oui, ce soir à 18h, oui, probablement. Ah, c'est. Mais pas forcément. Enfin, après, il y a un peu de flou. Il y a savoir ce que j'ai à faire globalement et ensuite l'intégrer dans des cases. Je sais ce que j'ai à faire. J'ai des to-do list avec des choses à faire. Après, je ne fixe pas forcément les horaires parce que j'ai la chance d'avoir un métier qui me laisse aussi un peu de liberté. Mais. Ok. Oui, donc t'as, on va dire que le fait que t'aies pas de pression C'est sur ça. les horaires fait que tu peux avoir une certaine. Mais quand t'as un tout petit peu de pression. Là, je deviens comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire un peu, ok, à 8h15, il faut que je commence ça, mais à 8h30, il faut que j'ai terminé la première partie, et puis, etc., C'est etc. ça, Donc, c'est oui. ça. En fait, c'est ça l'idée. Parce que en fait, ça crée de l'énergie. Tu vois, on parle de motivation. C'est ça. C'est qu'en fait, ça donne de l'énergie. Par exemple, un type bleu à qui on dit, bah, écoute, on se voit en fin d'après-midi, c'est pas motivant. Mais si on lui dit, on se voit à 17h15, c'est motivant. Moi, je vais avoir tendance à justement chercher ça. Si tu me dis on se voit en fin d'après-midi, je vais dire 17h15, c'est bon? Parce que C'est dans ma ça. tête, ça va être 17h15, ni 17h10, ni 17h20. C'est ça. J'ai l'air vachement rigide tout Non, 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 non. Non, d'un coup. mais tu vois, c'est en fait, on court tous après la motivation. Ouais. Et chaque type de personnalité a le sien. Le type bleu, ce qui le motive, c'est la structuration parce qu'elle est au service de l'efficacité. D'accord. Si je sais que c'est à 17h15, ça me permet de pouvoir faire plein de trucs avant. Ouais. Oui, exactement. Tu vois? Exactement. Et donc c'est une sorte de pas de performance, mais d'efficacité. Ouais. Je sais que je vais pouvoir faire plus de choses En que j'ai. fait, enfin, je sais pas si c'est bleu, mais moi, j'aime pas le flou. C'est-à-dire que je veux savoir combien de temps j'ai pour pouvoir, voilà, utiliser mon temps comme je peux et faire un maximum de choses C'est ça. dans ce temps-là. Ok, Ok. super. Alors, eh Ouais, je ben, pense écoute, que oui, il y a de la on va vérité valider là-dedans. la motivation, d'accord? Et donc, on arrive au troisième élément qui est le comportement qui met un peu de pression sur le type de personnalité. Et chez le type bleu, c'est le perfectionnisme. Ouais. C'est-à-dire que les types bleus
Alors, et le perfectionnisme, pas dans de temps en temps. C'est-à-dire qu'en fait, pour un type bleu, le perfectionnisme, il s'existe dans plein, plein de choses de la vie. Ok. Ça peut être, on parlait de la coiffure, mais on peut parler de l'habillement, on peut parler de... Si tu as un type bleu, il va avoir besoin d'être parfait en tant que parent, en tant que conjoint, en tant qu'employé, en tant que manager, en tant que conducteur. Il va toujours rechercher à faire les choses le plus parfaitement possible. Est-ce que ça te parle, ça? Oui, donc là on parle sous stress, c'est ça? Alors, Pas sous forcément. stress, ça prend encore plus de puissance, Ouais. mais naturellement, en fait, si un type bleu a un truc à faire, il va pas le faire comme ça en disant, bon, c'est fait et puis ça va bien. Il peut pas s'empêcher quand même de faire les choses bien dans pratiquement tout ce qu'il fait. Mais j'aime bien faire les choses bien. Ouais, c'est Ouais. Je vais ça. avoir tendance à pousser un peu, voir pousser peut-être les gens. Enfin, c'est ça où je pense que c'est un comportement qui est un peu peut-être un peu négatif. C'est justement quand on essaye d'appliquer ça aux autres qui n'ont pas ce besoin de d'être dans le mieux. Oui. Mais oui, clairement, ça va être. C'est une exigence par rapport à soi-même et à son travail et à son comportement, oui, je pense. Clairement, ça me parle. Enfin, après, c'est difficile de se mettre. Moi, j'ai toujours l'impression que tout le monde est pareil. Hein, Non, Donc, clairement du coup, non. c'est un peu compliqué de se dire oui, ça me correspond parce que. En Mais fait, si ça me tu parle en tout veux, cas. ce qui est incroyable avec les types bleus, c'est qu'ils font ça. Mais comme de leur point de vue, ce qu'ils font, c'est bien, mais ça pourrait être encore mieux. Ils ont du mal à s'attribuer même le côté perfectionniste en disant ouais, enfin quand je peux, quoi, parce que j'y arrive pas à Oui, chaque c'est fois. ça. C'est ça. Bah, il y a ça, parce que bon, on fait les choses bien, mais c'est. Si on avait eu plus de temps, ou si j'avais pu, ou si, etc., ça aurait pu être un. Donc bon, oui, non, c'est pas mal, mais oui, non, je comprends. Il y a Ouais. une espèce de. C'est un peu vicieux d'ailleurs, parce qu'il faudrait aussi de temps en temps qu'on soit juste content avec ce qu'on fait. Mais oui, Bah, enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui je me vais pas parle. rentrer dedans, on peut en parler à la fin, mais effectivement, c'est la clé. C'est-à-dire que ce qui peut, entre guillemets, rendre la vie impossible un petit peu, c'est le côté perfectionniste. Ouais, C'est-à-dire qu'à un clairement. moment, il a du mal à se détendre Ouais. parce que c'est jamais fini, ou il y a toujours un truc qui n'est pas encore terminé, ou qui n'est pas parfait, etc. Donc, c'est aussi le truc Ouais, c'est le. à travailler dans le sens à réussir à prendre un peu de distance avec ça pour pouvoir se détendre. D'accord. Ok. Enfin, toutes les réponses que tu viens de me donner valident quand Je même pense qu'on la n'est pas. couleur bleue, hein, La parce que couleur là, bleue, on on a n'est vraiment. pas. Alors du coup, bah, puisqu'on a cette couleur qui est posée, quelle autre couleur attire ton regard? Bah, j'ai envie de dire le jaune pour terminer le trio gagnant. Ouais. Donc la couleur jaune. Ok. Et qu'est-ce qui t'attire dans la couleur jaune, là, dans cette... Spontané, ludique et différent. Donc surtout les deux premiers. J'ai tendance à mettre du jeu partout. Je pense être quelqu'un de spontané, mais surtout enfin, voilà, le côté ludique de la vie, des petites choses. Moi, c'est quelque chose qui m'accompagne et qui fait que. En fait, il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre et je m'amuse en permanence. Enfin, je rends tout jouable et joué. C'est-à-dire que je. Alors, des fois, il y a des gens qui ne jouent pas avec moi. Mais sinon, oui, tout peut faire tout peut se ressentir comme un jeu. Donc, le côté ludique, je D'accord, c'est pense un qu'on est truc qui est très dedans. fort chez toi. Très, très fort. Ok. Bon, alors bon, on y va, hein, on va C'est regarder. parti. C'est parti. Donc effectivement, la motivation du type jaune, alors elle est plus large que simplement le jeu. Ouais. Sa motivation, c'est en gros la nouveauté. OK. C'est un peu ce que tu as dit, que vraiment les gens ne se ressemblent pas et que je ne fasse pas tout le temps la même chose. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, les types jaunes ont besoin sans arrêt de découvrir de nouvelles choses, de vivre de nouvelles choses. Et même s'ils font la même tâche, eh ben, des fois, ils vont même s'arranger de faire en sorte de ne pas s'y prendre de la même façon pour que ce ne soit pas répétitif. Ouais, Ça te parle, ça? ça me parle énormément. D'accord. Ça me parle beaucoup parce que je sais que dans le travail, il y a beaucoup de fois où je me suis ennuyée. Et globalement, je peux m'ennuyer dans un poste assez rapidement. Enfin, il faut que je trouve un intérêt. Et en fait, la manière d'appréhender ce poste-là, même si c'est le même travail, quand on l'appréhende différemment, etc., ou qu'on met justement ce côté ludique, on se dit, bah aujourd'hui, ça peut être n'importe quoi, mais aujourd'hui, je vais tout faire deux fois plus vite, ou je vais. Enfin, en se mettant ses propres challenges au final, Ouais. ça permet de garder cette fraîcheur qui me permet de supporter quelque chose qui au final est vraiment identique au jour précédent. Mais oui, non, je me lasse très vite des choses. D'accord. Ouais. Donc tu as besoin sans arrêt de changement en fait. Complètement. D'accord. Mais c'est un rythme assez effrayant. C'est-à-dire que là, on est en 2020, en 9 ans, j'ai fait. Six boulots différents. Donc,
Et c'est pas que j'étais pas forcément douée ou quoi que ce soit, ou que c'est juste que au bout d'un moment, bon, moi j'ai fait le tour, ça y est. C'est ça, t'en Il as marre. faut, voilà, D'accord. faut que je fasse autre chose. Ok. Donc ça, c'est vraiment la dimension de l'équipe jaune. Et en plus, eh ben, une des manières de ne pas s'ennuyer et de ne pas être dans la répétition, c'est de faire des choses en s'amusant, en jouant, en rendant les choses ludiques, C'est en ça. rajoutant des couleurs où il n'y en a pas besoin. Tu vois, genre tableau Excel un peu ennuyeux, ah, tiens, je vais mettre des couleurs, Ah, ça va mais m'amuser. complètement, C'est ça? complètement. Ouais. Mon quotidien est fait de tableaux Excel avec des très jolies couleurs et des polices de caractères différentes. Mais c'est même dans les rapports avec les gens. Enfin, je sais qu'il n'y a rien qui me fait le plus plaisir que quand je fais des blagues, enfin, quand j'arrive à créer du lien justement autour de l'humour ou que sais-je, avec des gens que je connais pas du tout au téléphone ou quoi, quand je rigole avec ma banquière ou juste parce que j'ai glissé un petit mot et qu'elle a rigolé, oh, ça me fait tellement plaisir et ça crée du lien. Et quand je me retrouve face à quelqu'un qui est pas réceptif, enfin, Ouais. je me sens attaquée dans ma personne, quoi, Je comprends. c'est dur. Bah oui, parce que c'est exactement ça. En fait, il y a un truc qui ressource beaucoup les types jaunes, c'est de rire avec. Ouais, De rire ah oui. avec l'autre. De le faire rire ou qu'il te fasse rire. Mais le fait d'avoir, d'être dans ce partage de l'humour, de la détente, Je du. pense que ouais, ça me parle beaucoup, en fait. Quitte des fois à aller trop loin, enfin, ou à pas sentir que c'est vraiment pas le moment, ou à faire rire, et puis au bout d'un moment, continuer alors que les autres sont tous déjà passés à autre chose, ou quoi que ce soit, quitte à être dans le trop, mais Alors, clairement. justement, alors là, on va valider la motivation sans aucun problème, d'accord? Et du coup, ce que tu viens de dire me fait penser à une autre dimension du type jaune, qui est la réaction spontanée. Ouais. C'est-à-dire que les types jaunes, leur filtre de perception, c'est de rebondir, de réagir spontanément aux choses. C'est-à-dire que c'est comme tu sais, comme tu lances une balle contre un mur, ça rebondit, et ça rebondit des fois un peu n'importe comment. Ouais, oui, bah ça, oui, être à côté de la plaque, pas toujours tomber juste. Après, ça, c'est vraiment dans le langage et dans les échanges avec les gens. Je sais pas comment ça peut se traduire au travail ou quoi, ou peut-être avoir des idées complètement farfelues qui marchent pas du tout. Mais moi, je pars du principe que ça peut faire avancer le débat, que ça peut créer des idées qui s'aident, donc quitte à dire des bêtises, autant y aller franco. Mais oui, je suis dans la réaction beaucoup. Est-ce que tu as un exemple là, qui illustre ça au moment où d'un seul coup tu sors un truc, tu dis mais pourquoi j'ai dit ça? Je suis sûre que ça m'arrive plusieurs fois par jour, mais là tout de suite, pas forcément. Mais oui, faire des remarques qui sont pas au bon moment, où tout le monde est sérieux, mais j'ai une blague qui est tellement bonne que bah, je vais la sortir quand même, parce que vraiment une blague comme ça, faut pas la gâcher. Et du coup, bon, ça fait rire personne, sauf moi. Je rigole beaucoup toute seule. D'accord. Mais voilà, je pense que ça doit être la tristesse du jaune, c'est de rire tout seul au final. Je sais pas, mais en tout cas, c'est ça. Si tu veux la réaction spontanée, c'est que des fois, elle est hyper à propos. D'ailleurs, les types jaunes ont une répartie extraordinaire. Je Parce sais plus que, si c'est vrai, mais. bah, parce qu'en fait, ça jaillit, tu Ouais. vois. Et en même temps, bah, des fois, ça sort tellement vite. Tu sais, si tu dis, mais pourquoi je vais te dire ça? Tu vois? Et donc, on va donc valider cette couleur jaune. Alors, qu'est-ce que c'est que cette couleur verte? Je pense que. Alors, c'est une analyse à chaud, mais je pense qu'elle est très due au moment, en fait. Ouais. C'est-à-dire que je suis dans un moment, dans une période, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on passe le test, au final, ça reflète aussi Bien sûr. le moment. Et je suis dans une période où, justement, j'ai beaucoup de projets professionnels, mais aussi des centres d'intérêt à côté, qui nécessite que bah, je réfléchisse beaucoup, que je prenne mon temps, c'est beaucoup d'écriture, beaucoup de choses comme ça, et du coup de la réflexion pas mal. Et j'ai D'accord. besoin justement de cette bulle. OK. Et puis, enfin, je pense qu'aussi c'est en réaction, parce que beaucoup de bleu égale beaucoup de travail intensif, etc. Et je pense que j'avais envie de prendre ce temps, de prendre cet espace aussi. D'accord. Donc, mettre de la distance et puis avoir ce. Voilà, se m'isoler au final. Mais un bon isolement, un isolement choisi, un isolement dans des bonnes conditions pour justement me retrouver un petit peu, avancer sur ces projets-là qui bah, nécessitent du temps et de l'espace. Et D'accord. donc, bon, le côté silencieux me va pas terrible, comme tu peux le voir depuis tout à l'heure, mais Ouais. en tout cas, le côté imagine, réfléchis et juste se mettre tout seul dans sa bulle, en ce moment, c'est clairement vrai. Ça n'a pas été vrai toute ma vie, mais là, c'est extrêmement vrai. D'accord. Donc en fait, ça traduirait en fait ton état interne actuel. Ouais.
C'est ça. Clairement. D'accord. Parce que c'est vrai que depuis qu'on se parle, je cherche les informations sur la couleur verte et je me dis, j'ai pas grand-chose. Et justement, Tu vois? le vert, sa motivation, c'est. Enfin, justement, Oui, pour faire bien sûr. la même chose que ce qu'on a fait pour le bleu et le jaune, à la fois, le filtre de perception, par exemple, du vert, qu'est-ce que ça va être? Ah, ben c'est pour ça que je le vois pas. Alors, je vais t'expliquer. Mais un type vert, si tu veux, quand tu lui poses une question, il y a un délai de réponse. Mais toi, tu fuses à une vitesse. C'est-à-dire qu'il y a, que ce soit en termes de prise d'information, comme le type bleu, ou que ce soit en termes de réaction, où tu pars direct, si tu veux, je le vois pas. D'accord. Alors qu'un type vert, tu lui poses une question, et il faut laisser un Il va silence. intérioriser. Il a besoin, c'est un peu comme s'il prenait sa question, il la lançait dans son esprit, et puis tu vois une sorte d'écho qui revient, et à ce coup, la réponse lui vient. Et ce délai-là, il n'y peut rien, il a besoin de ce temps. D'accord. Donc, peut-être que tu es dans cette phase-là quand tu es en train d'écrire, Ouais. où tu vas laisser maturer une idée, etc. Donc, c'est sûrement comment dire, une dimension que tu utilises en ce moment, parce que tu en as besoin. Mais dans Mais l'échange qu'on a intrinsèquement, là, je le suis pas. dans ce qu'on vient de faire là, je l'ai jamais vu, tu vois. Donc D'accord. voilà. Alors après, la motivation, c'est le besoin d'avoir de l'espace et du temps. Ce qui en ce moment est vrai. C'est ça. Ouais, clairement. Voilà, donc bah, peut-être qu'effectivement il y a ça. Donc tu C'est peux tout vrai. à fait être dans le positif d'une couleur. Ouais. En revanche, le comportement sous stress du type vert, c'est il ne montre pas ses sentiments et ses difficultés. Alors là, depuis tout à l'heure, alors à moins que tu saches vraiment porter un masque invisible, je n'ai pas du tout le sentiment que tu. Enfin, je ne l'ai pas senti, mais peut-être Ouais, ça te parle, toi. Est-ce que tu. bah non, pas tellement, non. Moi, j'ai tendance justement à extérioriser pas mal de choses et à articuler pas mal de choses. Donc, je vais pas être. Non, je pense pas que je vais être comme ça. Sous D'accord. stress, je pense pas que je sois comme ça. Au contraire, je vais râler, je vais souffler, mais tout le monde entier va savoir que ça va pas. C'est C'est plutôt ça. C'est ce ça. côté-là. Si tu vois, alors qu'un type vert, quand ça va pas, tu sais que ça va pas parce qu'en fait, il dit plus rien. Ah non, ça Tu m'arrive vois, pas et ça. qu'à ce coup, tu te dis, oh, qu'est-ce qu'il a enfin, qu'est-ce qui va pas? Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, non. c'est pour ça que je le sens pas. Alors après, je peux me tromper. Non, Donc, en non, je fait, pense qu'en effet, c'est ce pas. qui est hyper intéressant avec ton profil, c'est que, en gros, soit tu. Alors, il y a deux choses qui peuvent expliquer un Ouais. pourcentage aussi fort sur la couleur verte. C'est que d'abord, tu as répondu très fort sur cette couleur. Elle serait pas sortie et dominante et secondaire, puisque tu vois que le cercle extérieur que tu réponds, c'est la couleur dominante, et le rond central, c'est la couleur secondaire. Ah d'accord, Or, dans ok. ton cas, c'est deux Les deux à fois. la fois. Oui. En fait, ce qui est passionnant, c'est que ça peut. Deux raisons. Donc, celle qu'on a évoquée, peut-être tu as cette couleur verte parce qu'en ce moment, tu en as besoin, ou peut-être c'est un sas de respiration dont tu as besoin. Ouais. Je peux imaginer qu'avec ta couleur bleue, tu peux te sentir parfois sous pression parce qu'il ne s'arrête jamais. C'est ça. Et donc, prendre du temps pour toi, ça peut être un moyen de calmer un peu l'énergie, enfin pas l'énergie, mais cette quête sans fin de il faut finir. Oui, Tu vois? c'est bien Donc, clairement. ça peut être ça. Deuxième chose, c'est que ça pourrait peut-être être ta prochaine couleur. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on voit souvent apparaître, c'est que avant qu'une couleur devienne une couleur secondaire, en Ouais. fait, elle montre beaucoup ses caractéristiques positives. D'accord. Ah, c'est hyper intéressant. Oui. Ça me dirait, oui, d'accord. Ça monte en puissance, et puis un jour, paf, tu te mets à montrer le comportement sous stress. Ok. Tant que tu ne montes pas ce comportement, c'est une vraie ressource. D'accord. Mais ce n'est pas encore motivant, dans le sens où tu peux t'en passer. C'est-à-dire que si tu n'avais pas ces moments, cet espace et ce temps pour toi, ben ça va. Mais quand tu passes vraiment dans une couleur secondaire, où là, eh ben, si tu n'as pas ton espace et ton temps pour toi, tu pars directement dans les comportements sous stress. Ok, Tu c'est vois? hyper intéressant. Donc à regarder dans les mois qui viennent Mois ou années, hein? ou années qui Parce viennent, que ça peut d'accord. durer comme ça. Tu peux avoir une couleur qui est vraiment juste là, tu vois, en ressources, Ok. et tu bascules pratiquement pas dans la couleur suivante. Mais en tout cas, c'est probable que si tu devais changer de couleur, la prochaine, ça serait la couleur verte. C'est hyper intéressant. Ouais. Ok, c'est la tectonique des couleurs au final, avec une qui pousse une autre. C'est exactement ça. D'accord, C'est c'est. exactement ça. C'est qu'en gros, il y a un tuilage qui se fait à certains moments. Mais dans ton cas, je pense que le tuilage n'a pas commencé. D'accord. Parce que s'il avait commencé, tu commencerais à montrer déjà les comportements sous stress de la couleur verte. Qui sont? Et bien, qui Donc sont le côté ne pas justement. montrer ce qui se passe. Quand ça va pas, tu dis plus rien. T'es Ok. là, mais t'es pas là. Tu vois, D'accord. genre le type vert, vraiment le comportement le plus observable, c'est il est là physiquement, mais il est absent dans ses pensées. D'accord.
Ok. Et tu vois, et donc là, tu es présente à fond, quoi. Je te vois pas disparaître du tout. Non, non, Voilà. d'accord. Mais du coup, ouais, je vais faire attention à ça. Super. D'accord. Alors, je peux t'expliquer les autres couleurs, mais en gros, je ne les ai pas entendues non plus. Tu D'accord. vois, c'est ça qui est intéressant, c'est quand on reste centré sur l'autre, bah, si une couleur est là, on l'entend. Alors, Ok. bien sûr, tu as les trois autres, hein, Oui, d'accord, ok. Mais mais elle voilà, s'exprime moins. moins, je Mais moi, je dirais. suis surtout, du coup, curieuse de la rouge, qui est Alors, celle que pourquoi j'ai la le moins. rouge? Qu'est-ce qui t'attire dans celle-là? Bah, parce que c'est le pourcentage que j'ai le moins, Oui. actif, énergique, caméléon. Oui. Bah, du coup. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que tu te sens très énergique, très active, très caméléon. Pas forcément caméléon. Caméléon, je suis d'accord que j'ai pas l'impression que ce soit moi. J'ai l'impression de ne pas être quelqu'un qui change. Enfin, j'imagine que c'est ça qu'on entend par caméléon, c'est-à-dire quelqu'un qui se renouvelle et qui est différent, etc. Alors, caméléon, ça veut dire qu'il s'adapte à son interlocuteur instinctivement, sans aucune volonté de s'adapter. Il ne le fait même pas exprès. Ah, je suis pas du tout comme C'est ça. comme un caméléon, tu glisses une feuille derrière lui, il change de couleur, il ne l'a pas Il se pose pas demandé. de Il ne questions, peut pas ouais. s'empêcher. Et bien, un type rouge, c'est ça. Il s'adapte à l'autre et à la situation sans même savoir qu'il est en train de le faire. Il le fait. D'accord, moi c'est pas du tout. Alors, ce qui peut éclairer, en fait, je vais t'expliquer la différence entre le type bleu et le type rouge, qui sont tous les deux des types de personnalités orientées vers l'action. Ok. Ils font les deux. Ok. Sauf qu'un type bleu, il ne peut pas faire sans avoir un plan. Ouais. Le type rouge, il fait. Il sait pas pourquoi, mais il le fait. Ah d'accord, il fonce. Ah, mais il fonce. Ah ouais, non mais je suis clairement bleu. Ah non mais il faut que tout soit C'est balisé. ça. D'accord. Quand tu m'expliques comment t'achètes un truc, moi j'ai des types rouges qui m'ont dit, oh bah il fallait acheter une voiture, bah c'était samedi, à 10h j'ai quitté la maison, à 4h je suis rentré avec la voiture. Tu vois? Je passe à l'action, il nous faut une voiture, j'achète une voiture, point. D'accord. Quitte à Et pas avoir toutes les informations. ah ben il n'y a pas toutes les informations. Ok. Mais carrément pas. Ça Sauf m'angoisse. que, tu comprends? Ah oui, clairement. Non, C'est je pour ça comprends que je suis pas que, du tout comme ça. voilà. Absolument pas. Ok, d'accord. Donc ça, je comprends bien le côté caméléon, c'est pas du tout moi. Et le côté action sans les données, c'est pas moi du tout. Ça fait complètement sens. C'est ça. Et du coup, les deux autres, si on peut les Eh passer bien, en revue. bien Donc sûr. orange, je vois, aimable, chaleureux, dévoué. Ouais. Je pense que je peux être aimable. Mais je peux aussi ne pas l'être. C'est-à-dire que je prends pas sur moi pour être aimable quand j'ai pas envie de l'être. Est-ce que ça, quelque part, ça fait partie du truc? T'as répondu à la question. C'est ça. C'est ça, C'est c'est pas ça. C'est aimable à tout que. prix, quoi. Mais oui, parce qu'un type orange, quand t'es vraiment type orange, c'est compliqué même d'être désagréable. C'est compliqué d'aller dire un truc qui pourrait blesser l'autre. D'accord. Tu vois? Donc, Ok. alors que. Allez, bleu-jaune, tu dis l'info, quoi. Si t'es petit bleu, tu donnes l'info. Si t'es petit jaune, tu réagis spontanément. Alors, il dit, ah, je t'ai blessé, bah, je suis désolé. Oui, voilà, c'est Mais je ne l'ai ça. pas fait pour ça. Un Oui. type orange, quand il dit quelque chose, il se dit, mais non, je peux pas lui dire ça parce que ça risque de le blesser. Ça va être, tu Mais vois. du coup, il met l'autre avant lui, en Ah, ben fait. complètement. D'accord. Complètement. Non, c'est pas moi. D'accord. Bon. Ok. Non, non, c'est pas D'accord. moi. Et du coup, violet, évaluateur, fiable, de confiance. Qu'est-ce qu'on entend par évaluateur pour le type violet? Alors, le type violet a besoin d'évaluer. Je souris parce que tu vois, tu es vraiment en train de checker. Oui. Tu vois, ça c'est hyper intéressant de voir comment tu t'y prends. Tu es vraiment en train de checker. Tu dis, il faut que j'ai compris tout le diagramme. Alors, qu'est-ce que c'est? Il me manque encore une info, il me faut toute l'info. Après, je lis les petites lignes en bas, je suis Ah très oui. bien. Si tu veux. Mais tu vois, le processus que tu utilises est hyper intéressant. Voilà. Donc, le type violet est évaluateur. En fait, si tu veux, le type violet évalue, il compare, il pèse, ils jaugent tout ce qu'ils perçoivent par rapport à leur système de valeurs. Et ils ont besoin de se forger une opinion très vite sur les choses. D'ailleurs, ce n'est pas qu'ils ont besoin, c'est qu'ils ne peuvent pas s'empêcher. Il faut qu'il classe les choses en fait. Ah non, classer, c'est type bleu. Hein. Non, jauger, c'est se faire une opinion par rapport à leur système de valeurs sur quelque chose qu'ils perçoivent. En fait, D'accord. un type, voilà, pour résumer, pour un type violet, la question c'est est-ce que j'adhère ou est-ce que j'adhère pas? Est-ce que je suis convaincu ou pas? Donc se positionner soit par rapport à C'est quelque chose en ça. fait. C'est ça. Alors qu'un type bleu prend l'info. D'accord. Et il arrange et il l'utilise s'il en a besoin. Et le Mais un violet type va bleu se ne peut pas prendre positionner. l'information si il n'a pas d'abord décidé si elle avait de la valeur à ses yeux. D'accord. Voilà. Ok, c'est intéressant. D'accord, ouais, c'est rigolo comme façon. J'ai jamais analysé ça comme ça. Ok. Voilà, ça te parle ou... Pas des masses. Enfin,
je vais avoir tendance à réagir, si je regarde les infos, à réagir, à dire ah, c'est bien, c'est pas bien, etc. Mais ça va plus être dans le sens, il y a quelqu'un à côté de moi et j'ai envie de lancer un débat et j'ai envie de communiquer en fait. Jaune. Ouais. Réaction spontanée. Voilà. C'est ça. Ça va pas si être ensuite ça rebondit sur autre chose, c'est pas grave. Non, pas du tout. C'est ça. C'est... Regarde, voilà. Tu veux qu'il va te chercher sur un truc, il lâche pas le sujet. Hein. Ah ouais. Ah ben oui. Ben parce que pour lui, c'est tellement important que quand il va sur un sujet, il a besoin qu'on parle du sujet. D'accord. Si le sujet parle sur autre chose, ça le frustre énormément parce que. Il n'a pas été au fond du. Ah ben non, il fallait qu'il aille au fond du truc, tu vois. Donc, tu comprends c'est... Ouais, ouais, clairement. Alors, du coup, il nous reste deux couleurs, hein. Bleu-jaune. Ouais. Ok. Et ben, à partir de quel âge tu as commencé à râler, souffler? Je sais pas. Donc le comportement négatif. Bah oui, à partir du moment, à quel moment dans ta vie tu as commencé à t'entendre râler, souffler, on t'a dit rien, t'arrêtes de râler ou t'as commencé à être dans cette logique-là. Ah, je sais pas du tout. Je sais pas, j'ai l'impression de dire tout, toujours. Même quand t'étais toute petite. Mais non, enfin je sais pas, j'ai pas de souvenir de... Je sais pas, tu te souviens des fois où tu râlais toi quand t'étais petite? C'est des souvenirs ouais, moi, je n'étais pas un râleur, moi. Moi, j'ai commencé à râler, j'avais une quarantaine d'années. Oh, la chance! Ah, ben, je sais pas, mais c'est moi, c'est à ce moment-là. D'ailleurs, ça m'a tellement surpris de m'entendre râler. J'avais jamais râlé de ma vie. C'est vrai? Ben, oui. C'est possible de ne pas râler? Ah, ben, carrément. Quand t'es pas de type jaune, c'est pas forcément un truc... J'avais jamais râlé de ma vie. Moi, je crois alors que j'ai toujours râlé dans ma vie, parce c'est que ça me paraît... Mais alors, du coup, alors, à vers quel âge t'as commencé à devenir perfectionniste? J'ai toujours été appliquée. Oui. Après, quand est-ce que je me suis mis la pression donc pour devenir perfectionniste? Je sais pas, c'est... Je pense que quand ça a commencé à avoir vraiment de la valeur, j'essaie de faire toute ma vie en marche arrière. Ouais, hein, je t'en prie, vas-y. À quel moment ça a eu de la valeur d'être vraiment d'être perfectionniste? Je pense que ça devait être en primaire collège, hein. C'est à ce moment-là où on commence justement à valoriser... Enfin, après, je ne sais pas si ça vient de moi ou des autres, mais c'est à ce moment-là où on commence à valoriser justement... tu fais bien l'école, etc. Et du coup, on a envie de faire bien partout. Mais ouais, je pense que ça doit dater de là. Je ne sais pas lequel j'ai fait en premier, honnêtement. C'est compliqué. Ouais, ouais. Les comportements un peu du coup négatifs, je ne saurais pas te dire quand est-ce que j'ai pensé à aller. Ouais. J'imagine que ta chambre était nickel quand tu étais petite. Ouais. Ah oui. Ouais. Ouais, ouais. Les fourchettes de Barbie. Ouais. Bah. Et quand tu jouais, t'avais plus de plaisir à ranger les cubes ou à jouer avec les cubes? Ah non, jouer. Jouer. Ouais, jouer. D'accord. Ranger, c'est pas ce qu'il fallait, mais non, jouer. C'est ça, jouer. D'accord. Clairement. Parce que toi, tu vas être type bleu, enfant. En fait, le plaisir, c'est de remettre le puzzle, tu vois, bien rangé et de mettre tous les cubes comme il faut dans la... Ça, je pense que c'est venu plus tard. C'est venu plus tard. Ouais. Je pense que oui, il y a un certain plaisir à tout remettre à sa place. Oui. Enfin, en tout cas pour moi, et je me rends compte que je suis bleue. Oui. Mais il y a un certain plaisir, mais je pense qu'il est venu plus tard. Le côté, maintenant, j'ai bien mis le bazar, mais maintenant, on va... Voilà. C'est ça. Mais ouais. T'es capable de mettre le bazar comme il faut. Ah oui. D'accord. Oui, mais moi j'ai des phases, en fait, mais même aujourd'hui, où phase de création, je vais tout sortir, ça va être un bazar incroyable. Et je vais terminer mon truc et je vais faire bon, maintenant je vais tout ranger. Et ça va être il va y avoir une grande satisfaction du fait de tout ranger, bien sûr. Laisser tout propre et de voir mieux ranger qu'avant. Alors là, c'est vraiment le top du top. Mais, ouais. Mais voilà. Ok. Bah écoute, avec ta réponse que tu viens de donner, tu vois où je vais en venir. C'est probablement dominante jaune, secondaire bleu. Dominante jaune, secondaire bleu. Ouais, ok. Probablement. C'est vrai que la couleur bleue, ça arrivait un petit peu après. Je pense. Tu vois? Avec le vert qui essaye de pousser à la porte quand même. Ah, si tu veux, c'est pas mal, hein, parce que quand même la couleur bleue, c'est quand même une couleur qui met... Alors, il n'y a pas de mauvaise couleur. Non, bien sûr. Mais quand même une couleur qui exerce une très très forte pression sur soi-même, c'est la couleur bleue. Ok. Le côté perfectionniste, quand même, il lâche pas. Il est pesant. Ah, c'est, pour certaines personnes, c'est très très lourd, quoi. Mais je pense que je l'ai ressenti à d'autres périodes dans ma vie. C'est pour ça que j'en suis aujourd'hui là, avec les choix que j'ai faits personnellement, professionnellement, etc. C'est aussi parce qu'il y a eu des périodes où je me suis complètement laissée bouffer par ça. Ouais. Par le côté perfectionniste, exigeant avec soi-même, avec les autres, etc. etc. dans mon boulot. Enfin, pas exigeant avec les autres, mais juste refaire ce que les autres font pour...
pour le monter le niveau, c'est moche à dire, mais... Mais non, mais c'est ça, c'est le type bleu, tu vois, le type violet serait exigeant avec les autres, le type bleu, il n'est pas content de ce que d'autres ont fait, et il refait le boulot lui-même. Ah bah voilà, c'est la différence. C'est ça, donc là, c'est exactement ce que ouais, tu viens ouais, de décrire. Ouais, ouais, non, bah oui, clairement. Voilà, donc okay. ça te va? Ah bah, comme tu l'as dit, il n'y a pas de mauvaise couleur, mais... Non.